Dans ce petit direct, nous allons juste rappeler et répondre à Ousmane Gawala et donner des petits conseils à ce délinquant, même s'il ne le mérite pas. Mais il faut le faire, il faut qu'il. Donc, merci, Diansoumana Sidibé, Fula Sinani, Foligne, Anoua et Tcherno Diallo. Donc, partagez, mettez les cœurs. Voilà, réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous. Nous allons répondre à Fally Issou. Ben, c'est comme ça, on l'appelle du côté de l'IFDG. Mais bien avant ça, nous allons écouter encore une fois Tonton Alpha Blondy. Voilà, Alain Ndorlaï, salut. Parce que aujourd'hui, c'est la soirée, c'est le 12. Ok, excusez-moi. Je sais pas que ça arrive à mon ordinateur là. Ok, non, c'est ok. Nous allons d'abord écouter Tonton Alpha Blondy. Ce que Tonton Alpha Blondy dit. Parce que vous allez comprendre que ce n'est plus la personne de Mamadi qui nous fait peur. C'est la France et la méthode de la France. Parce que jusque-là, Mamadi est en train de faire ce que la France aime. Imaginez-vous s'ils ne respectaient pas ce que les Français ont demandé. Ils vont créer des troubles dans ce pays, l'instabilité dans ce pays. Les Français, même en personne, ce pays-là restera longtemps instable. Donc, Annie, tonton Alpha Blondy, écoutez d'abord. Nous allons écouter Alpha Blondy. Et après, nous allons répondre à Ousmane Gawal. Et comme ça, Inch'Allah, demain, nous allons faire la fête sur lui. Mais le conseil que je voulais donner aux éléments des forces spéciales, je sais qu'aujourd'hui, il y a la pression sur vous. Il y a trop de pression sur vous. Est-ce que vous comprenez? Trop de pression sur vous. Comprenez? Donc, je vais aider. Ce qui me plaît, c'est les gens. Quand ils t'insultent, après, ils viennent dire, pourquoi Benito, tu m'as bloqué? Après, ah, Benito, m'a foutu ce qui m'a vraiment bloqué. Donc, vous comprenez? Inch'Allah, permettez, nous allons écouter tonton Alpha Blondy. Après, nous viendrons répondre. L'élément des forces, nous allons laisser le cas là derrière. Parce que la pression qui est sur vous, si vous ne faites pas attention, le gars là est déjà fini. Il partira avec vous gratuitement. Moi aussi, t'es là, Kélan, qui a défendu. Aldoua, Aïda suivi, Foustar. Parce qu'aujourd'hui, Aïbebraï, le sac de riz est parti jusqu'à 360, jusqu'à 400 000 aujourd'hui. Le sac de riz. Le sac de riz aujourd'hui est allé jusqu'à 360 000. Au temps du poste Alpha Condé, c'était 180. 180 000 au temps d'Alpha Condé. Il va se rendre 200. Ça, c'était les boutiques témoins. Les boutiques qui étaient en jaune. Mais des coins les plus éloignés, c'était à 220, des fois 210. Au Brakébi, 360 000. Dans des zones minières aujourd'hui, des zones minières, jusqu'à 400, 450. Malobro-Kélé. Les petits salaires des fonctionnaires, les petits salaires des fonctionnaires. Hein? Malobro-Kélé. 360 000. Ôté de 1 million ou 1 million 600. Des familles nombreuses où il y a plus de 5, 6 personnes par famille. Tu as un salaire de 1 million 500. Le sac de riz est à 360 000. Et comme ils ont dit que nous ne sommes plus en transition, que nous sommes en refondation, il n'y a pas de problème. Parce que bon, la refondation nous permet de faire ceci là. Donc, nous sommes en train de mettre les graines de la réforme. On parle plus de la transition, hein, la refondation. Voilà les ponts partout. Les routes sont coupées, les ponts sont coupés. Et voilà aujourd'hui. Je vous le jure, les petits éléments des forces spéciales.
C'est parce que vous, il est tenu obligé de vous donner de l'argent. Sinon, si vous n'étiez pas les éléments qui ont fait le coup d'État, vous étiez l'armée régulière. Vous avez vu comment ils traitent l'armée régulière. Tous les militaires guinéens aujourd'hui qui ne font pas partie des forces spéciales ne reçoivent que les salaires. Il n'y a pas de prime. Il domine à tout récupérer, c'est pour lui. Vous comprenez? Donc, mettez-vous, comprenez, si ce n'était pas vous, vous n'étiez pas responsable du coup d'État, il allait vous traiter de la même façon que les militaires réguliers. Non, je vais arrêter, parce que ma... Si vous êtes 12 heures là, je vais faire vite. Nous allons écouter tonton Alpha Blondie. Écoutez. Ne m'en fallait parler de Carrefour. Écoutez-le. Comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance. Mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. Ouais. Un continent comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire. Et que M. Macky Sall, qui a d'autres chats à fouetter, aille s'humilier devant M. Poutine pour qu'on libère les céréales. On a le fonio, on a le maïs, on a le mil. Il y a Atcheke, il y a Garba, il y a Tchapoudjem. Il y a plein de bas-fonds cultivables pour faire du riz. C'est pas du riz qu'on va attendre d'Asie. OK? Donc tout ça, OK? C'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Ouais. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Ouais. Et c'est criminel. Ouais. C'est de l'esclavage. Ouais. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémi Séba, comme Nathalie Young, comme Ousmane Sanko. On peut être pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est vrai. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire l'homme africain en se disant ses vérités et que nos chefs soient un peu libérés parce que eux, ils ont le flair à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Parce qu'on a convaincu le nègre qu'il n'est rien. On l'a construit pour que le Noir n'aime pas sa personne, que le Noir n'aime pas le Noir. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres idiotes. Et puis en plus, comme je vous ai dit que la pauvreté de l'Afrique sauve l'Occident. Ouais. Ok. Et tout chef d'État africain qui a osé faire remarquer cet esclavage a été froidement descendu. Ouais. J'explique. Thomas Sankara. Ok. Patrick Lumumba. Et j'en passe. Sylvanus Olympio. Modibo Keïta. Et tout récemment. Quand M. Alpha Condé a osé dire qu'il faut couper le cordon ombilical entre nous et la métropole et la colonie mère, comme par hasard, un coup d'État. Okay. Vous avez entendu? Et tout récemment, comme Alpha Condé a dit de couper le cordon ombilical, par hasard, un coup d'État. Écoutez, vous avez entendu? Comme par hasard, la pauvreté de l'Afrique profite à l'Occident. Mais il parle singulièrement de la France. Il attaque la France. Vous l'avez écouté? C'est-à-dire, vous avez vu la réaction ce jour-là du président ivoirien. Il dit, mais nous sommes devant les gens. Ils n'ont jamais pardonné le professeur Alpha Condé. Jamais pardonné parce qu'il l'a dit. Coupons le cordon ombilical.
Et le poste Fakonde avait détaillé, il dit, nous devons favoriser les contrats Afrique-Afrique, c'est-à-dire aider les petites et moyennes entreprises africaines, les financements locaux, aidons, c'est-à-dire nous devons travailler Afrique, Asie, Afrique, Amérique du Sud. Écoutez, c'est Alpha Blondy. Hein. Il est américain, c'est pas parce qu'il est ivoirien, il est américain. Mais écoutez, c'est un intellectuel, il connaît. Alpha Blondy de couper le cordon ombilical par hasard, un coup d'État. Par hasard, un coup d'État. Et puis, Alpha Blondy avait bien indiqué, parce qu'il a demandé juste de favoriser les entreprises africaines. De donner la chance aux entreprises africaines, aux entreprises locales. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on dit non, l'homme là, non, il est allé loin. Malgré qu'il a refusé que nous reprenions la Guinée, malgré qu'il a refusé, il s'entête de nous redonner la Guinée parce que c'est pour nous. Oui, comme c'est vous qui avez fondé la Guinée là. Non. Malgré ça, il est allé loin en disant de couper le cordon. Et Alpha Condé avait dit que nous devons appliquer. Et lui, il était clair. Et dès qu'il a fini la conférence, la rencontre d'Abidjan, il a commencé à appliquer les règles. Regardez les contrats. Si c'est un président qui vient, il donne les contrats. Rapidement, Ukraine et autres, il donne les contrats. Oui, c'était comme chacun avait sa chance dans ce pays. Il préfère les. Voilà, c'est ça. Avant, on disait ACP, effectivement, on disait ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes et Pacifique. Avant, je me rappelle au temps de l'ancien Conté. Mais ils ont tout changé, la France a tout supprimé. Vous avez vu ce qui s'est passé, la francophonie. Donnez-moi le résultat de la rencontre de la francophonie. La francophonie n'a rien, la rencontre de la francophonie, dites-moi ce que cela a donné. Il n'y a pas eu de financement, rien, absolument rien. Les gens ont fait assez de bruit ici que Doumbouya est parti en Chine. Ils ont donné 50 milliards à tout le monde. Ils ont pensé qu'on allait partager les 50 milliards. Les 50 milliards des Chinois là, c'est pour des pays sérieux. Des pays sérieux. Des pays qui ont des projets. Hey, regardez, on donne la façon dont vous récupérez l'argent, comme si c'est pour vos parents là. Les autres là donnent pour gagner. Ils ne donnent pas pour partager, ils donnent pour gagner. Les Chinois donnent pour récupérer. Mais comme ils savent, quand on vous donne, vous n'avez pas aujourd'hui de revenus. Vous n'avez pas de recettes, vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien à les donner. Voilà pourquoi on ne vous donne pas les 50 milliards là. C'est l'Afrique du Sud. Les 50 milliards là, c'est l'Éthiopie. Les 50 milliards là, c'est Zimbabwe. Les 50 milliards, c'est les pays qui les donnent. Où il y a le sérieux, ce n'est pas vous. Doumbé est en train de faire le sport qu'il est en train de pomper. Vous pensez, ça c'est quelle image? Vous vendez quelle image? Il a pompé comme? Il a pompé trois fois et puis il a commencé à regarder les gens. Il était fatigué déjà. Abem Moussoko. Voilà. Et ce qui me plaît là, c'est le fait que les gens arrivent à le tromper. C'est très bon même. Ils arrivent à le tromper, ça marche. Ok, sécurité prouve quand M. Alpha Condé a osé dire qu'il faut couper le cordon ombilical entre nous et la métropole et la colonie mère. Comme par hasard, un coup d'État. Ok, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Oui. L'Afrique, pendant 400 ans, on a esclavagisé l'homme africain, l'homme noir. Et aujourd'hui, encore cet esclavage, il est encore. L'homme noir est encore esclave, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis. Partout, on les méprise, on les écrase. Parce que l'épistémicide a écrasé la culture que l'homme africain avait, les repères. Merci beaucoup, tonton Alpha Blondy. Merci beaucoup. Altinanya, ils ne vont pas comprendre. Donc, chef de sœur, voilà ce qu'un individu. Voilà tonton Alpha Blondy, voilà quelqu'un. Le monsieur que vous voyez comme ça, là, il a dit deux phrases au président Ouattara. C'était en parabole. Hein. C'était des conseils. Des conseils. En ce moment-là, le premier ministre était, l'autre premier ministre qui est décédé était vivant. Ambak était vivant.
Il a donné des conseils. Et ces conseils ont été pris en compte. Très en compte, ce qu'il avait dit. C'est ça même, Diallo. Le jour où le professeur Fakonde a dit de couper le cordon ombilical, alors on dit, on est devant les honneurs, c'était fini. C'était, ce jour-là, ils ont chiré. Parce que Alpha Condé allait conscientiser de plus l'entrepreneuriat africain. Il allait éveiller les causes, parce qu'il avait attaqué même les causes de l'exode, les causes pourquoi les Africains prennent la mer. Un discours qui a été... Vous avez vu, les gens ont applaudi dans la salle, parce que c'était une vérité crue. Cela leur a valu le coup d'État. Directement, ils ont trouvé un Français, ils ont dit non, lui, il peut faire. Il faut trouver quelqu'un de sa communauté. Si vous trouvez un Peul, ils vont dire non, les Peuls ont attaqué les Malinkés. Si vous trouvez un Soussou, on dit non, l'histoire de 85. Dès que les forestiers, on dit on a dit ça. C'est comme ça. On dit non, trouvez quelqu'un de son ethnie. Voilà comment ils ont trouvé cet individu. C'est bon à rien. Mais voilà, on ne peut pas jurer sur le Coran, jurer sur la Bible, et faire le contraire que Dieu te pardonne. Non. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas ami de quelqu'un. C'est le miséricorde. L'omnipotence. Tu ne peux pas jurer sur le Coran. Tu mets ta main sur le Coran. Je le jure. Tu fais le contraire et puis tu t'en sors. Non. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, il y a eu deux fautes, deux erreurs. Tu as humilié ton bienfaiteur. Dieu n'aime pas ça. C'est le totem de Dieu. Dieu n'aime pas ça, ton bienfaiteur. Celui qui t'a fait. On dit ta maman, ton père et ton karamoko. Et pour choisir d'abord, il faut commencer par ton karamoko. Il est plus que celui qui donne le savoir. Parce que le savoir te permet de respecter tes parents. Le savoir te permet de te comporter très bien en famille. Le savoir te permet d'avoir un guide de ta vie. Voilà pourquoi on doit respecter son maître. On doit respecter son karamoko, son professeur. Toi, tu viens humilier ton bienfaiteur. Premier mécontentement de Dieu. Second mécontentement, pour tromper les Guinéens, on a mis le Coran et la Bible. On dit qu'il faut jurer. Dans un pays, c'est une dame, c'est au Gabon, Baoka, elle a refusé de jurer sur le Coran, elle a quitté. C'était sur la Bible, Bible, Coran. Non, c'était le Coran. J'ai oublié, Bible, Coran. Elle a refusé. Et on ne l'a pas nommé. Parce que c'est, elle ne va pas faire ce qu'est le Coran, ce que le Coran dit. Elle ne va pas faire ce que la Bible dit. Donc, ce n'est pas la peine. Ne trompez pas. C'est ce qui est en train de vous noyer comme ça. Vous prenez le livre saint, les deux livres saints. Vous jurez et puis vous tenez comme ça, c'est pour tromper qui? Nous avons appris, il y a un ministre qui m'a écrit, je dis pas, il m'a demandé pardon de ne pas dire son nom, de dire qu'il n'y a pas souci. Un ministre, qui aujourd'hui c'était, non, j'étais à Nouak. Il m'a écrit d'abord, après, oui, il m'a écrit. Après, il m'a appelé, je n'ai pas pris. Parce que je ne connaissais pas le numéro. Après, il m'envoie le message, il dit, c'est moi. J'ai rappelé. J'ai dit, il y a quoi? Non, il faut accepter de m'écouter, je voulais te dire quelque chose. J'ai dit, ok, allez-y. Il dit, voilà ce qui se passe. Je te le jure. Je ne sais pas entre toi et moi qui est plus âgé. J'ai dit, bon, prends-moi comme le petit frère. Il dit, je te le jure aujourd'hui. Il y a beaucoup de ces ministres-là qui veulent démissionner. Il y a beaucoup de ces ministres-là qui veulent partir. Mais les gens ont peur. Beaucoup de ces ministres. Et puis, mets-toi le ministre de côté. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui, au niveau des départements, les cadres très bien placés qui veulent partir. Mais ils ont peur. Demandez à tous ceux qui travaillent à l'aéroport Bessia. Quand tu es nommé aujourd'hui, les cinq premières personnes de chaque département, Altoï, aéroport là, demandez à tout le monde. Les cinq premiers, c'est-à-dire les cinq premiers noms
des 5 personnes de 5 départements, des postes clés à nettoyer. Aéroport là. Nous connaissons les cas là. Dès que tu déposes le passeport là, ils appellent le palais. Ils disent que c'est Amara on appelle. On appelle Amara, on dit ah, telle personne veut quitter le pays. Il y a certaines personnes là, et bien c'est l'aéroport là, ils rentrent à la maison sans faire du bruit. Il y a des kafirs. Excuse-moi, voilà mon nom. Voilà. Je connais beaucoup, beaucoup de ces ministres. Albert Afekawa. Tout le monde. Parce que, écoute, c'est, les gens sont ministres, mais ceux qui gèrent le département sont autour de Mamadi. Les gens sont ministres. Il y a des ministres, oui. Mais ceux qui gèrent ce département-là se trouvent autour. Et puis ceux qui est insolent, ceux qui est irrégrettable, c'est-à-dire toi, tu es ministre, mais ton secrétaire général est nommé par Idi Amin. Il est plus puissant que toi. Toi, tu es ministre, ton secrétaire général est nommé par Djibo Yakité. Il est plus puissant que toi. Toi, tu es ministre, ton secrétaire général est nommé par le frère de Doumbouya. Il est plus puissant que toi. Tu le sais très bien, mais tu as peur. Tu as peur. Il faut demander à quel effet. Il dit non, pour ça, là, je connais même. Je connais très bien le passage là. Oui, moi-même, je le sais. Il dit, c'est comme ça, les gens sont assis. Quand vous voyez un secrétaire manquer de respect à un ministre, Kobreté, c'est par rapport au tuteur. Voilà, chacun a un tuteur, mais ça dépend du gabarit de ton tuteur. C'est lui qui est ton miroir autour de Mamadi. Et puis, de grâce, si tu es choisi par un élément des forces spéciales, non, c'est fini. Surtout les éléments des forces spéciales qui sont trop proches de Mamadi, qui ont des sœurs, des tantes, qui sont directrices de cabinet, ou bien qui sont DAF. À DAF, Siamambaï, la plupart des DAF là, ce sont des sœurs, des grandes sœurs, des petites sœurs, ou bien des petits, des oncles des éléments des forces spéciales. Moi, est-ce que tu entends quelqu'un parler de non, gare à toi d'attaquer un DAF. Un Kuro, il te sait. Tout ceci là, si ce n'est pas Idi Amin, c'est Djiba. Si ce n'est pas Djiba, c'est Amara. Si ce n'est pas Amara, c'est les éléments des forces spéciales. Olé, Dafourou, les inspecteurs là, finances là, mais il y a paix, il y a la mort, le dit. Donc, c'est comment là. Et puis, c'est lui qui me demande d'aider ce pays-là, si vous n'aidez pas ce pays-là. Si ce type-là, il appelle son patron type, hein, si ce type-là reste au pouvoir, là, c'est que la Guinée est foutue. Non, je dis, mon ami, il faut te calmer. Nous n'avons pas laissé la Guinée, ne t'en fais même pas pour ça. Donc, chers frères et sœurs, je vais terminer par Oussou Falima. Voilà, Oussou. Voilà ce que Ousmane Gawal dit. Ousmane Gawal, je ne perdrai pas mon temps. Parce que il n'y a pas un Guinéen qui ne sait pas que toutes les sociétés minières ont été sommées de déposer les recettes à un compte pour pouvoir réinjecter l'argent de ces recettes-là sur la population locale. Au lieu que l'argent transite à la banque, et que le décaissement prend du temps, et que les projets retardent, pour éviter toutes ces tournures-là, Ibrahima Kassori Fofana avait décidé de créer des microfinances. Et il a soumis, cela a été apprécié, approuvé. Et le président avait signé. Voilà, Mamri, Anaï, Anafik, tout a été signé. Tout est œuvre d'Ibrahima Kassori Fofana. Je laisse le docteur là de côté. Ibrahima Kassori Fofana. Donc, c'est regrettable. Mais tu fais exprès parce que même Doumbouya, lui-même, il sait. Baouri même sait. Il n'y a pas un cadre aujourd'hui qui avait travaillé avec nous qui ne le sait pas. Que tout ça là, ce sont des œuvres de Dr Kassori Ibrahima, celui qui est en prison là. Celui qui est en prison là est l'orchestre. La vision du développement de la Guinée. C'est lui qui avait mis les choses sur les rails. Mais ce qui est clair, c'est ce que Diallo Moumou dit, il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui,
Même après 100 ans, nos petits-enfants l'ont dit, non, il y a un monsieur qui était venu là. Il s'appelait Mamadi Doumbouya, c'est pas la paix. Voilà, 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 voilà. Vous avez laissé la transition parce que vous ne pouvez pas... Vous parlez de référendum. Le référendum au mois de septembre, au mois de décembre. Mais c'est avec quelle liste électorale les gens vont faire voter. Parce que c'est ça, vous allez adopter, il y aura un vote. Ou bien c'est par promulgation, je ne sais pas. Bon, en tout cas, si c'est pour si les Guinéens qui doivent voter pour le référendum, pour l'avant-projet de la Constitution, là, je me demande, c'est avec quoi? Avec quoi? Parce que nous avons appris que c'est la liste électorale de 2020. Parce qu'elle a été corrigée par la CEDEAO. Au départ, vous n'avez pas voulu entendre. Dans les conditions normales, c'est le Seloua Lengalo qui doit se plaindre. C'est le Sidi Touré qui doit se plaindre. C'est le RPZ qui doit se plaindre. Parce que c'est les trois-là qui doivent aller aux élections. Mais là, ils n'ont pas demandé de réviser une liste électorale. Vous avez non, vous allez recenser toute la Guinée et puis de là, tirer la liste électorale. Maintenant, voilà pourquoi nous avons dit aux Guinéens que les gens étaient dans le mensonge, c'est pour tromper les gens. Pendant 3 ans, d'abord, si on avait accepté votre premier programme, la transition était pour 5 ans. Vous avez pris 3 ans pour recenser les Guinéens. C'est ce qui était dans le document, le premier document. 3 ans pour recenser les Guinéens. Recensement général pour RAVEC. Qui parlera avec aujourd'hui? Non. Au fort étonnement de toute la Guinée, le ministre de l'administration du territoire, au lieu de parler de RAVEC, le recensement autre là, est parti confectionner 2000 et quelques effigies de Doumbouya. Parce qu'il a son argent dedans. Il a sa part dedans. C'est tout. Maintenant, venir dire que la Mamri est une initiative de Mamadi Doumbouya. Nous n'allons pas nous fâcher parce que nous connaissons. Maintenant, dis-nous qui a créé Mamri. Parce que Mamadi Doumbouya n'est pas un intellectuel. C'est quelqu'un qui ne peut pas analyser un paragraphe. Tous les documents que vous le remettez là, il plie. Personne n'a vu un jour Mamadi Doumbouya plonger ses yeux dans un document. Et pourtant, Alpha Conde le faisait. Et pourtant, même Lazare Lacoste le faisait. Si Lazare Lacoste ne faisait pas, il donnait à qui? Il donnait à Sozo, à Fode Bangoura. Fode Bangoura prenait son temps pour étudier les dossiers. Voilà. Même Dadis prenait son temps pour les dossiers. Voilà pourquoi il organisait cette messe où il attaquait les gens. Il avait tous les dossiers dans sa tête. Même quand vous écoutez Dadis, on se rendait compte exactement qu'il avait lu les dossiers des gens. Les contrats qui ont été signés, trafic de drogue, il avait tout dans sa tête. C'est ce Koubak qui est venu parler de l'élection et puis partir. Maintenant, si Mamri était une initiative de Doumbouya, donne-nous la date de création, le document, le décret là-bas, nous n'avons pas voulu sortir le décret. Le décret, le document, la signature du président qui a autorisé le fonctionnement de cette institution. Il suffit qu'on te sorte la date pour fermer ta grande gueule. Voilà des gens qui trompent, m'a dit. Ah, ok, mobilité est arrivée. Ok. On y est, Inch'Allah. On y est, New York, on y est. Inch'Allah, bonne arrivée, mobile. Mon beau, bon. Si tu es sûr, n'a pas de fin pour, il n'a. Non, c'est comme ça. Mentez-vous, trompez le petit. Vous allez l'induire dans l'erreur. On sait que... Mais heureusement, vous n'allez plus quitter ce pays. Il était très clair. Il dit personne ne bouge. Juste parce que lui-même, il veut, si cette question doit se passer jusqu'au 30e, parce que Koulikon, il a raison. Parce que voilà un exemple frappant qui doit se méfier de toi. Parce que tu regardes Doumbouya, tu regardes certains membres du département de Kassouri à la primature qui travaillent avec vous aujourd'hui pour dire que Mamri est l'œuvre de Doumbouya. C'est-à-dire Doumbouya même sait que tu es en train de mentir. Voilà pourquoi il ne t'aime pas. Doumbouya même sait que tu es en train de mentir. Comment tu peux regarder Doumbouya pour dire que nous avons assisté à une réunion aujourd'hui ce matin-là, hein? Et puis toi tu dis Flaco, vous rappelez que Mamri appartient à Sozo. Et l'œuvre de Mamadi Doumbouya. Mamri est l'œuvre de Mamadi Doumbouya. Ça, c'est quelle histoire? Nous n'allons pas nous fâcher, nous n'allons pas nous emporter. Malheureusement, le petit à moi, si j'étais chef de la junte, longtemps j'étais viré.
Aucun élément tout autour de Assimi Goïta ne peut pas lui mentir comme ça. Regarde Ibé. Ibé, Ibrahim Traoré de Burkina Faso, des individus comme toi là, ne peut pas avoir sa place là-bas. Non! On ne peut pas regarder Ibé. Ibé qui est intellectuel, il est allé à l'école. Hein. C'est un ingénieur, il a fini l'université. C'est un ingénieur, il a terminé l'université avant de s'engager dans l'armée. Oui. Toi, tu ne peux pas regarder Ibé pour lui dire non. Il sait très bien que Mamri est l'initiative de Kassori. Ça, c'est le gouvernement d'Alpha Condé. Tu te flanques sur le tête sec pour dire que non. À la minute, il te vire parce qu'il sait que tu es en train de tromper. Parce que, partons de la logique. On sait que tu mens. Tu nous avais dit ici là, que tu vas envoyer, je ne sais pas quoi, à l'habitat. Que tu vas faire quoi à l'habitat. Tu as quitté l'habitat, on t'envoie à la télécommunication. Tu dis qu'il te va créer les plus 5 gigas. Quoi 5 gigas bah. Tu n'as pas fait. Aujourd'hui, tu es en train de raconter des âneries au niveau de transport aussi. Qu'on a bientôt les taxis électriques vont rouler à Guinée. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de route. Quel taxi? Et puis ce qui est. C'est Baouri même, non. Baouri même, c'est pas la peine. Non, nous allons laisser ça demain, Inch'Allah. Nous allons laisser ça demain. Voilà, je vais lire ce que l'individu a dit ce matin-là. Voilà. On est amis, lui et moi, on est amis. Nous sommes amis, je suis ami. Je suis sur sa page. Il dit, réunion ce matin avec le coordinateur général de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes qui n'existe pas, Dr. Mohamed Lamine Doumbouya. Vous avez vu, hein? Écoutez, très bien. Voilà. Et quand l'embala y fera d'eau, quand attaque Imbok, voilà, c'est très bien. Il dit non, pourquoi je dis que tous les postes financiers, tous les postes clés sont occupés par nous, les mandingues. Mais est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé 15 noms à ce type-là. Dans mon inbox, j'ai pris mon temps. Je l'ai envoyé 15 noms. 15 noms! Regarde, tout est mandingue. Il n'y a pas un qui est sous-soudé, il n'y a pas un qui est forestier, il n'y a pas un qui est peul. Tout est mandingue. Et jusque-là, j'attends ma réponse. Jusque-là, j'attends ma réponse. Il ne m'a pas répondu. Bah, où est-ce que tu as dit? Je termine. Bah, il n'y a pas de ressources internes. Actuellement, il n'y a pas de ressources internes. Il n'y a pas d'argent. Le port ne fonctionne pas. L'aéroport ne fonctionne pas. Ils ont même envoyé le trafic de drogue à Farana. Donc, c'est terminé. Donc, agneau tuyé. Et qu'est-ce qu'il dit? On dit c'est pour Dr. Mohamed. Bon, je reprends le texte, s'il vous plaît. On y réunit ce matin avec le coordinateur général de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. C'est-à-dire ce qu'on appelle Mamri. Docteur Mohamed Lamine Doumbouya. Oui, c'est nous. Voilà. Trouver des solutions concrètes pour financer les projets du secteur des transports. Et mieux mobiliser les ressources internes du ministère des Transports. C'est tout le sens de notre action. La Mamri, est une initiative de Mamadi Doumbouya. Une volonté de s'assurer que chaque franc guinéen soit bien. Écoutez très bien, il est en train de vous insulter. Voilà ce qu'il dit. Une volonté de s'assurer que chaque franc guinéen soit bien utilisé pour avoir des infrastructures de qualité au service de tous, pour une croissance plus juste, durable, et avant tout, une croissance qui garantit le bien de notre peuple. Ah, voilà. Bonne nickerie. Et voilà. Non, il y a la croissance, non. Yo, chaque un franc guinéen soit utilisé, non. Et, non, Ousmane Gawal, tu regardes les Guinéens, tu les insultes. Toi, Ousmane Gawal, tu es cité dans le détournement de l'argent ici, là. Hein? Ali Toureta, Blanchi. Moussa Cissé, Amadou Doumbouya, Karamor Kaba, on peut citer Andou, Bailali. Sont nombreux comme ça. Non, bon nickel, que Dieu, excusez-moi pour le retard d'aujourd'hui. Moi, je m'en vais, il y a la soirée à Philadelphie, à Norfolk, là, pour l'indépendance, là. Donc, on va Donc, jusqu'à l'indépendance n'est pas fini. Donc, on fête le 12 ici, et le 19, là, c'est à New York. Là-bas, là, je serai en face à face avec l'ambassadeur. Voilà. C'est un Thomas.
Il est Thomas, je suis conscient que nous allons nous regarder face à face. Bonne nuit, Ricardo. Souza, merci. Rouzo Fatmata, Paloma, merci. Bonne nuit. Portez-vous très bien, on se reprend demain. Excusez-moi hein, pour le retard de jeu. Damad Ba, merci Koto. Voilà. Hello, mon frère Sultan Diop, là. Lui aussi, il est dangereux. Hein. Ah, on dit, je ne sors pas. Hein. Donc, tu sors. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit là-bas que je ne sors pas.